Je pense que la logique, elle est largement respectée. Après, nous, ça restera un moment inoubliable. On a fait une razzia dans les vestiaires lyonnais. On était leur offrir un petit cadeau bien sartois. Et en échange, on a récupéré les shorts, chaussures, maillots. Donc... Ils ont été sympas, justement, les Lyonnais, à la fin du match. Plutôt ouais, accessibles. Ouais, ouais. Autant sur le terrain, ils avaient leur vrai caractère de joueur. Certains agressifs, même désagréables sur le terrain. Une fois le match fini, tout de suite disponible. Le sourire, les photos, les échanges de maillots. Bah malheureusement, demain, on retourne à la routine. Le boulot pour tout le monde et puis l'anonymat pour l'équipe la semaine prochaine. Donc ça, ça va être difficile. Moralement, ça va être très dur. Mais ça fait partie du jeu, c'est la coupe de France, le bonheur des clubs amateurs de pouvoir se mettre en lumière l'espace de 90 minutes, voire une semaine, et puis après, de retomber dans l'anonymat. Ça, on s'y attendait. Et, malheureusement, c'est comme ça. Ça, vous avez la chance d'avoir déjà vécu cette aventure, quoi, d'affronter une Ligue 1, une grosse Ligue 1 en plus au MM Arena. Mmh. Ah ouais, c'est tout le contexte, tout l'engouement de la rencontre qui fait que ça restera un souvenir à jamais gravé. Hein. C'est l'ensemble, c'est le tout. L'adversaire, le stade, le public, la physionomie de la rencontre, parce que mine de rien, jusqu'à la mi-temps, on est dans le coup, donc on croit encore à l'impossible. Et puis après... Le coup de massue à l'heure de jeu et à plus de jambes. Plus de jambes, c'est fini. Ouais, physiquement, ça a été dur la fin de match. Ouais, là, on vous assure, je pense que ce soir, ça va être très dur pour tout le monde. Nerveusement, en plus, la pression retombe. Donc là, on va prendre un deuxième coup et je pense qu'on va bien dormir. On va bien dormir. Et le MM Arena, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport Bah, on s'y est bien préparé avec les deux séances d'entraînement, donc on n'était pas tellement surpris. Après, c'est le bruit. On a l'habitude de jouer devant 50 personnes, donc on communique gentiment et les consignes passent que là, on avait beau se crier dessus que ça allait tellement vite en face aussi que ça servait à rien. On n'entendait rien. Et puis, pas de repères par rapport à la largeur du terrain, à la grandeur du terrain. Donc, c'est dur. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné du coup? C'est plutôt le stade ou l'adversaire? L'adversaire. Le stade, on le connaissait en tant que spectateur, en tant qu'acteur aussi via les entraînements, mais l'adversaire, c'est la salle. C'est vrai qu'il y a une grosse ambiance en plus au stade. Ah ouais, c'est sympa. Ça restera de bon souvenir. C'est sympa. Merci beaucoup. Quelle est l'image que vous garderez de cette fête, de cet après-midi? Ce qu'il y a dans mon sac. C'est-à-dire? Les chaussures, les maillots, les t-shirts. De qui vous avez récupéré? Bah, on a partagé ça après entre copains. Donc, tout le monde a joué le jeu chez les joueurs lyonnais, donc c'est génial. Donc c'est dans des pros, mais de super mecs très sympas. C'est ce qu'on disait, ouais, sur le terrain, c'est de vrais joueurs de football qui l'a.